Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur d'appartement. Défiscaliser grâce à l'immobilier neuf et réduire ses impôts, eh bien c'est intéressant sur le papier, mais qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on fait une fois que l'effet défiscalisant est terminé et que fait-on de l'appartement? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo avec, comme souvent, une visite d'appartement. Aujourd'hui, je me trouve à Bordeaux, j'ai pris l'avion pour visiter un appartement et pour vous le présenter. Et je vais vous raconter l'histoire de cet appartement qui, en fait, est représentatif et qui peut vous servir d'exemple concret pour si vous avez un projet ou si vous êtes déjà engagé d'ailleurs dans un programme. Mon ami Fabien, donc, il a investi il y a 10 ans dans cet appartement, dans un régime sémier, puisque comme il est en profession libérale, on paye beaucoup d'impôts et ça pique un petit peu, donc on s'intéresse à la défiscalisation et spontanément on va vers l'immobilier neuf, ce qui est un bon support dans l'absolu. En plus, on est à Bordeaux intramuros, donc c'est plutôt gage de qualité, peut-être d'une montée des prix et d'une location pérenne, c'est ce qui s'est passé. Donc sur le papier, voilà, sauf qu'aujourd'hui, l'effet défiscalisant au bout de 10 ans, il est terminé. Hein, on s'engage sur des périodes de 6, 9 ou 12 ans. Et mon ami, il a défiscalisé, ça c'est bien, l'effet donc est atteint. Sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte que le prix du marché n'a pas vraiment évolué comme on l'aurait souhaité, puisque le prix de vente au moment où on se parle actuellement, il est de 25% en dessous du prix d'achat. Alors c'est dû au fait que quand on achète neuf, on paye le fait que ce soit neuf, et puis on achète un peu l'effet défiscalisation, on vous vend la défiscalisation. Ce que vous gagnez d'un côté en défiscalisation, parfois vous avez déjà perdu dès que vous avez acheté puisque vous l'avez surpayé. Bon, je caricature un petit peu, mais ici c'est quand même un petit peu le cas. Pourtant on est dans Bordeaux même, donc il faut être vigilant. L'autre possibilité, donc au lieu de vendre en perdant peut-être un peu des avantages qu'on a pu avoir, c'est de le garder, de basculer en location. Et là, j'attire votre attention, donc les celliers, Pinel, etc., ça vous permet de défiscaliser, de réduire vos impôts. Contrairement aux meublés, ça vous permet d'avoir des loyers supérieurs, mais de ne pas payer d'impôts supplémentaires sur les loyers que vous encaissez. Donc, ce n'est pas de la défiscalisation, c'est une location qui vous permet d'avoir une rentabilité souvent supérieure, nette, à la location non meublée. Voilà. Donc ça, c'est une possibilité. Et puis, charge à moi, justement, de voir un petit peu le potentiel. On va tester le marché de la location, de la colocation à Bordeaux. On va voir s'il est pertinent de mettre une cloison dans la grande pièce de vie pour créer une troisième chambre. Pourquoi pas? Techniquement, c'est possible. Mais est-ce que ça s'y prête dans la vraie vie? Et puis, on va voir aussi, et je viens voir également le quartier, comment se porte la ville et comment sont les tendances. Donc, il y a un tramway qui est pas loin, ça c'est bien. Le quartier se bonifie. Alors, le bémol majeur, c'est qu'ici, la copropriété est très grande. On a une copropriété de 412 lots. Et évidemment, mon ami Fabien, c'est pas le seul investisseur à avoir acheté il y a 10 ans et de vouloir vendre aujourd'hui. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'offres. Et ça ne nous arrange pas dans le projet de vendre. Plus il y a d'offres et plus les prix sont bas, effectivement. Et plus les choses sont rares et plus les prix sont élevés. Donc, tout ça doit aussi vous alerter. Si vous souhaitez défiscaliser avec l'immobilier neuf, c'est très bien, mais il faut être extrêmement vigilant. Je crois qu'il y a moins de 5% selon une étude faite avec une institution qui aide des investisseurs, de programmes qui sont porteurs, qui vous maximisent vos chances de ne pas vendre avec une moins-value, d'avoir une location pérenne, d'être sur un marché porteur. La construction également est à prendre en compte. Et puis, le nombre de lots, hein, une grosse copropriété comme ça, c'est pas facile à vendre quand tout le monde veut vendre au même moment, quand l'effet défiscalisant est échu. Voilà. Et donc, une possibilité, effectivement, c'est à la fois de rafraîchir, de meubler, d'optimiser. Par exemple, ici, on a notre troisième chambre dont je parlais potentiellement. C'est une hypothèse, ça peut se tester. Et puis surtout, c'est dès l'achat, vraiment, il faut faire attention, puisque si vous défiscalisez n'importe quoi, 3000 euros par an pendant 10 ans, mais qu'au bout du compte, vous perdez potentiellement 40 000 en revendant, surtout si vous êtes à distance, ça veut dire que vous allez passer par une agence immobilière qui vous prend des honoraires, parfois assez conséquentes, de l'ordre peut-être de 10 000 euros ou plus, 15 000 parfois. Vous vous rendez compte que ce que vous avez économisé d'une main, ce qu'on vous a donné d'une main, vous le redonnez de l'autre à la fin. Donc il faut être vigilant à ça, prévoir personne n'a de boule de cristal, ne peut vous garantir rien du tout, mais il y a quand même des indicateurs à prendre en compte. Là, la chance qu'on a, c'est qu'on est quand même dans une grosse ville, intramuros, et qu'il y a des infrastructures, des projets, donc ça nous sauve un peu la mise et qu'on va pouvoir naviguer et manœuvrer avec ces contraintes. Voilà un exemple concret. L'impôt en France, c'est bien connu, on est, je crois, les champions du monde, donc ça vous pousse parfois à faire des choses et d'investir en suivant des conseillers qui parfois ne sont pas les payeurs. Donc soyez vigilants, renseignez-vous, prenez des conseils, entourez-vous, notaire, fiscaliste,
agent immobilier, voilà, prenez vraiment vos dispositions pour être sûr de bien acheter et de pouvoir bien vendre à la fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez voir d'autres exemples comme ça d'appartements.